Aloha et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent. Oui, bienvenue à tous les gens dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. D'abord, merci pour vos incroyables retours, pour vos messages d'amour. Vous savez que j'y suis très sensible et ça me touche énormément. Ça me donne plein de motivation pour continuer à vous transmettre, à vous initier, à vous partager à toute cette culture polynésienne et à plein d'autres choses que vous allez découvrir durant les mois qui viennent. Et vraiment, merci du fond du cœur, parce que c'est absolument incroyable ce que nous vivons sur cette chaîne, plus de 200 abonnements par jour. Je savais que la culture polynésienne intéressait beaucoup de gens, mais à ce point, c'est absolument incroyable. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je vais continuer durant les jours, les semaines et les mois qui viennent, en particulier lors de mes voyages à Tahiti et à Hawaï, où je suis tous les deux mois et demi, pour vous transmettre, vous initier et vous partager tous ces concepts clés. Les concepts de mana, les concepts de Ho'oponopono, les concepts d'aloha ou de ha, avec de véritables kahuna, des reportages que je ferai sur place parce que j'ai obtenu les autorisations de l'État hawaïen. Et oui, il faut savoir que l'État hawaïen est un État dans l'État au niveau des États-Unis et vous ne pouvez pas faire de reportage sans avoir des autorisations préalables. Alors j'ai encore plus de gratitude d'avoir pu avoir ces autorisations donc, du gouverneur et de pouvoir ainsi vous faire vivre à Hawaï de véritables initiations, de véritables, on va dire, parcours touristiques et culturels qui vont vous permettre de mieux vivre et saisir l'âme hawaïenne. Alors, si vous êtes sur cette chaîne et si vous regardez les vidéos que je poste en général, c'est que vous êtes intéressé par le développement personnel. Et dans le développement personnel, vous allez toujours entendre parler de fixer un objectif, d'augmenter sa motivation, de donner un sens à sa vie, d'avoir une mission de vie, de pouvoir poser des actions. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous allez regarder des vidéos de développement personnel, malgré tout ce que vous écoutez, que vous mettez en application, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous savez que je suis pharmacien, je suis un expert en neurosciences et je suis enseignant d'hypnose et de coaching neuromental, et neuropsychique et neuroémotionnel. Je suis préparateur mental auprès de champions sportifs et vous pouvez avoir la décision, la volonté de faire quelque chose, de poser une action. C'est votre mental, votre cerveau gauche qui le fait, c'est lui qui décide, mais c'est pas lui qui exécute. Celui qui exécute, c'est le cerveau droit. C'est l'inconscient et le subconscient, c'est-à-dire le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui exécutent ce que vous vous demandez. Et là, vous n'avez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Et c'est là que la philosophie hawaïenne intervient, parce que la philosophie hawaïenne, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, avec sa conception du Huni'ipili, qui est le subconscient, considère qu'en fait, votre subconscient exécute les mémoires qu'elle a en soi. Le Huni'ipili va exécuter les mémoires qu'il y a en vous. Et si vous avez des mémoires erronées, eh bien vous avez des résultats erronés. Donc la philosophie hawaïenne, c'est de dire que si vos résultats ne sont pas ce que vous souhaitez, c'est que vous portez en vous des programmes inconscients qui viennent soit de vos expériences de vie, soit de vos ancêtres, soit, on va dire, de votre famille, avec des choses qui vous ont été transmises consciemment ou inconsciemment, et que vous avez, grâce à tout ce qui vous arrive, une chance incroyable de vous libérer de ces programmations. Autrement dit, il n'y a pas de problème chez les Hawaïens. Il n'y a que des circonstances pour vous élever. Chaque situation qui ne vous convient pas, que vous considéreriez en tant que bon occidental comme problème, chez eux, est un challenge, un véritable défi pour vous permettre de pouvoir évoluer.
C'est donc la raison essentielle pour laquelle les stages et séminaires de développement personnel ne donnent pas les résultats que les gens souhaitent, parce que vous êtes en fait victime de vos programmations inconscientes, quelles soient vos expériences passées, tout ce que vous avez entendu avant 7 ans, tout ce que vous avez vu, tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie, etc. Et ensuite, toutes les croyances que les parents, la famille, vous ont transmis, ainsi que toutes les charges familiales de plusieurs générations. Voilà, si vous ne déprogrammez pas ces programmations inconscientes, eh bien, vous aurez quelques résultats, mais vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez. Cette vidéo, et ainsi que les vidéos suivantes, sont de véritables révolutions, parce qu'elles vont vous permettre de déprogrammer ce qui, aujourd'hui, vous faisait avoir des résultats contraires. Si votre mental décide, c'est votre subconscient qui exécute. Vous avez une chance extraordinaire avec la philosophie hawaïenne de pouvoir totalement déprogrammer les causes inconscientes de vos échecs. Je vais donc, durant les semaines qui viennent, vous expliquer avec une incroyable simplicité tous ces mécanismes inconscients qui sont dans votre cerveau, d'abord parce que je suis pharmacien et que je suis un spécialiste de la neurochimie, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau, pour vous permettre de pouvoir faire les exercices qui suivent en toute conscience. Merci de partager ces vidéos. Alors, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, j'ai beaucoup de gratitude, merci de faire connaître à la fois la culture hawaïenne, polynésienne dans son ensemble, ainsi que les neurosciences, et gratitude infinie de toujours faire les commentaires que vous faites qui me font progresser et qui me donnent encore envie de vous donner de plus en plus d'amour dans mes vidéos. Alors merci de vous abonner toujours de plus en plus à ma chaîne, merci de faire connaître ma chaîne, de faire connaître la culture hawaïenne, de faire connaître mes vidéos. Merci, gratitude, gratitude du fond du cœur. Et c'est cordialement, donc de cœur à cœur, que je vous dis namasté et dans la langue polynésienne, mana aloha. Mana aloha, merci profondément, maruru avo. Voilà, à très bientôt pour des reportages incroyables de la Polynésie. Avant de démarrer cet exercice de Ho'oponopono, et en général, moi, chaque fois que je fais du Ho'oponopono, je commence toujours par une musique très inspirante, une musique qui va m'élever les vibrations, qui va me permettre de toucher mon âme. Et j'ai une musique particulière qui vient d'un hawaïen qui en plus était chaman, Ease, qui est absolument fabuleux. Pour moi, ça me met dans des états de joie intérieure absolument incroyables. Et c'est uniquement quand je suis monté à ce niveau vibratoire que je vais commencer la pratique du Ho'oponopono. Bluebird.
dream that you did too. Oh why can't I? Well, I see trees. Chaque jour, j'efface l'oubli. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Chaque jour, je me rappelle qui je suis. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Chaque jour, je suis la conscience qui est. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je suis l'unité. Je suis l'absolu dans le relatif. Je suis le relatif dans l'absolu. Je suis la vie qui à travers moi se vit. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je crée ma réalité à partir de mon intériorité. Car le monde est une projection, une manifestation de moi. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je suis la présence qui est et qui vit à travers moi. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je suis un hologramme de l'univers. Je suis le divin sous forme humaine. Je suis l'humain sous forme divine. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. En dehors du temps et de l'espace, mon être spirituel vit son éternelle existence. Et si je plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit, je deviens celui que je désire. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Participant consciemment à l'être absolu, je règle mon action sur le milieu qui m'entoure. Mon nom est celui de ma fonction et je le choisis ainsi que ma fonction parce que je suis libre. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je suis celui qui est. Je diffuse ce que je suis. Je diffuse la lumière, l'amour, la beauté, le bon, la paix, la joie, la connaissance. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je prends soin de moi et de tous les autres moi. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime profondément. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, dites je t'aime,
je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème. Je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Là, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité. Et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement,
je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Chimney top, that's where you find.